J'arrive sur zone. Merci. Excuse-moi pour le retard. Tes chiens de communiste étaient garés en double fil. T'en fais pas, j'ai tout mon temps. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bon, qu'est-ce qu'on attend? On y va? Oui, oui, nous allons commencer l'interrogatoire. Ouf, je les ai semés. Maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur ma mission. Il faut que je me rappelle ce que me disait le lieutenant Sylvestre. Votre mission sera de libérer nos camarades capturés par l'organisation Serpent. Un de nos agents s'est infiltré et vous aidera. Il faut absolument éviter qu'il ne parle. Maintenant, au travail! Bon, très bien. Il n'y a plus urgent comme dossier, on reporte ça à demain. Mais, tu as lu le dossier? Il détient des informations de la plus haute importance sur ces chiens de communistes. Il faut l'interroger maintenant. De plus, nous avons eu des échos comme quoi il y aurait une taupe communiste infiltrée dans nos rangs. Ridicule, je ne vois pas qui cela pourrait être. Non, vraiment pas. Tu disais? J'ai pas entendu, je prenais un café. Soldats, apportez les documents nécessaires pour l'interrogatoire. Non mais baissez votre arme. Bien sûr. Tu peux le réveiller, vas-y. Allez, réveille-toi, réveille-toi. Bon bah ça marche pas, on reporte ça demain, donc... Bon allez, dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Oh, qu'est-ce qui se passe? Silence! Vous êtes prisonnier et allez subir un interrogatoire, car vos actions allaient à l'encontre du serpent. Plus vous serez coopératif, et moins vous souffrirez. Vas-y, à toi l'honneur. Bon, tu dois avoir les choses à nous dire, sale communiste. Nous, les gentils capitalistes, si tu nous aides pas, on sera très très méchants avec toi. Mais j'ai rien à vous dire. Ok. Apportez les instruments de torture! Quand vous vous déplacez en milieu végétal dense, restez tapis avec la grâce du tapir. Soyez silencieux, indétectable. Vous êtes comme l'huître avant la tempête. C'est-à-dire immobile, dur, imperturbable. Tu vas parler, sale chien de communiste! Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Hein, j'utilise les techniques qu'on nous a apprises au KGB. Au KGB? Au quoi? Désolé, je préparais un instrument de torture assez brillant, tu disais? Oui, oui, les méthodes de la CIA. C'est quoi exactement comme instrument? C'est une scie sauteuse à verrou parabolique. Hein? On va lui couper les doigts avec, ça ira plus vite. Attendez, laissez-moi vérifier le matériel. Ah, je crois que votre machine n'est pas très bien huilée. On reporte ça demain. Mais tu me prends pour une débile? Attendez, je vais sortir Balche Pushki. Mais qu'est-ce que t'as en tête? Je vais lui couper les ongles jusqu'à ce qu'il parle. Mais c'est complètement con! Excusez-moi. Pardon? Il y a du sable qui tombe. Ok. Très bien. Bougez pas, colonel, je reviens. Ça y est, j'y suis. Ça va être la partie la plus difficile. Il faut que je garde le calme. Que disait le lieutenant Sylvestre déjà? Vous voyez ce qu'il y a de bien avec les douches collectives? C'est que ça renforce l'esprit de camaraderie. Non, pas ça, l'autre. Vous arrivez devant votre objectif. Il faut rester calme. Si vous êtes repéré. Restez calme. Tant que vous êtes huître, rien ne peut vous arriver. Les ennemis s'approchent. Vous entendez votre ventre qui gargouille. Il faut casser la gueule à votre ventre! Une huître ne gargouille pas, bordel! Votre ventre gargouille toujours. Salaud! Judas! Vous êtes maintenant en colère, vous butez tout le monde! Couverture grillée. Bon, assure-toi. Je suis communiste, moi aussi. Je vais t'aider à t'enfuir. Ah, je me disais bien aussi, mais... Attendez, je crois que je vous reconnais. Petrov, c'est toi! Mais chut! Tu vas nous faire repérer! J'ai tout entendu, colonel. C'est donc vous, la taupe!
Non, c'est pas moi. Ah ok, désolé. On peut continuer alors? Oui, j'ai l'instrument parfait. Plus de gaz, plus de gaz. Évacuez tout le monde. Fuite de gaz. Fuite de gaz. J'avais raison, c'était vous la taupe. Fusillez-le. Bon, je vais essayer d'en abattre plusieurs. Tâche de t'enfuir. Bon, c'est tout ce que j'ai pu faire. On s'enfuit maintenant. Enfin, cette table est quand même vachement solide. Ah oui, il n'y a aucun trou malgré la fusillade. Ouais bon, c'est pas tout, mais il va falloir trouver un moyen pour s'enfuir quand même. Je vois pas ce qui peut nous aider. Ouais, moi non plus. C'est pas pour crâner, mais je valse encore mieux que Manu. Ouais, c'est ça, on y va. Non, je viens vous sauver, camarade. Camarade.